Chers frères et sœurs, bonjour. Son plaisir pour nous commencer avec vous matin, hein, qui c'est dimanche 10 septembre, pour nous capables ensemble étudier le son école sabbat. Nous invitons à baisser tête pour nous capables prier. Éternel Dieu, papa nous qui nous sommes là, merci pour grâce, merci pour l'amour, merci Seigneur Dieu pour une nouvelle journée qu'on accorde nous. C'est pas bon nous bon, c'est pas digne nous digne, mais vous faites nous grâce Seigneur. Alors que nous allons étudier par vous, qu'on capable imprégner nous de cet esprit. De manière à ce que nous sommes capables de comprendre et mettre en pratique tout ça que nous pourrons étudier matin. Avec nous diriger nous, nous ne pouvons pas dire merci de prier au Seigneur notre petit tout Jésus qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Bienvenue encore une fois, chers frères et sœurs. Jeudi à ce dimanche 10 septembre. Eh bien, petite leçon pour ce maintenant. 12e leçon, c'est l'appel à tenir ferme. Il y a un appel pour nous capables de tenir ferme. Eh bien, leçon l'a déroulé dans le dernier chapitre Éphésiens. Nous connaissons Éphésiens 6 chapitre. Eh bien, verset à mémoriser, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, verset 10 et 11. Eh bien, pour journée jeudi à qui c'est dimanche 10 septembre, titre leçon c'est discours guerrier. On discours guerrier, on discours moun qui pral nan bataille. Eh bien, on dit nous pour étudier conclusion Paul fait à l'aide pour Éphésiens que nous jouons dans Éphésiens 6 verset 10 à 20. Qui ça signifie cri de guerre que Paul lui-même li baille. Et qui ça veut dire pour nous aujourd'hui hein, en tant que combattants dans le grand conflit. Eh bien, chers frères et sœurs, nous sommes capables de dire que Éphésiens 6, c'est cerise sous gâteau. Et particulièrement, et du verset 10 au verset 20, nous voyons que Paul li baille des conseils importants. Ok, à partir du verset 10, il dit nous, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissante. Eh bien, journée jeudi, ces détails yo bay sous texte ça dans leçon 1, on nous garder qui ça dit. Il dit que Paul conclut Éphésiens par un appel au combat. C'est dit Paul invite nous pour nous al goumer, li exhorte croyants pour capable prendre position dans guerre ça qui gagne entre l'église et le mal. Chers frères et sœurs, nous non combat. L'église non combat, gon combat entre le bien et le mal. Combat ça c'est dernier combat. Combat ça c'est combat qui a mené avant que Jésus retourne. Et bien c'est dans période ça que nous vivons. Et bien ou même chers frères et sœurs doit prendre position. L'église doit prendre position. Et bien c'est ça qui fait que Paul lui-même invite nous pour nous capable prendre position dans combat ça et nous capable dans Éphésiens 6 verset 10 à 20 et puis nous joindre détail. Nous voyons que il commence avec une exhortation générale et ça fait dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Il demande nous pour nous capable fortifier nous. Si nous voulons participer dans le combat, ça faut nous capable gain force et force ça nous capable puiser un seul côté, c'est dans Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, lui répéter un appel pour nous capable revertir nous de toutes les armes de Dieu. Chers frères et sœurs, ou pas qu'à aller dans la guerre sans armes. Je ne jodi en sous besoin gilet par balle ou besoin un ensemble de protège ou besoin casque. Eh bien, nous voyons que, eh bien, dans Éphésiens 6, dans verset 11, il dit nous, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça montre nous que bon Dieu lui-même, il y a des armes qu'il mettait à la disposition, nous, si nous voulons, nous capables vainqueurs contre les ruses du diable, chers frères et sœurs. Ensuite, il dit nous, pour qui ça, nous devons revêtir toutes les armes de Dieu? C'est parce que, et il y a une raison pour ça. Pour qui ça? Parce que là nous lisons dans verset Éphésiens 6 verset 12, il dit le combat est contre les puissances fortes spirituelles du mal. Hein? Éphésiens 6 verset 12, un texte que nous habitués avec, il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et bien chers frères et sœurs, eh bien, combat ça, c'est un combat, c'est pour un combat contre le visible. C'est un combat contre l'invisible. L'ennemi, ça que pour combattre là, son ennemi invisible. Eh bien, c'est ça que fait, c'est celle, les armes de Dieu qui permettent tout combattre, chers frères et sœurs. C'est pour un combat contre la chair et le sang. Si c'est un combat contre la chair et le sang, ou t'es qu'à aller revolver, ou t'es qu'à aller épée,
mais c'est pour un combat contre la chair et le sang. Son combat contre les principautés. Son combat contre les princes de ce monde. C'est un combat contre et les esprits méchants dans les lieux célestes, chers frères et sœurs. Eh bien, nous voyons que, croyant, yo gagné pour yo prendre toutes les armes de Dieu, de manière à ce que capable de ferme au combat, selon Éphésiens 6, verset 13. Eh bien, nous voyons que, yo bail des détails de qui ça pour nous porter en tant que, nous capables de dire armes sous nous, en tant que protège. Nous voyons que nous devons gagner une ceinture, une cuirasse, des chaussures, un bouclier, un casque et puis une épée. Il y a des détails dans Éphésiens 6, verset 14 à 17. Eh bien, nous voyons que faut nous gagner à nos reins la vérité pour ceinture. Chers frères et sœurs, dans le combat, ça, ou pas dans le mensonge. Combat, ça, vous mettez que ceinture pour mettre, c'est la vérité. Généralement, dans le combat, l'on mettez ceinture dans le rond, c'est pour capable gagner force. Ceinture, li kembe ou pour capable gain force. Et ben nous voit que la vérité lui doit boussole chrétien. C'est la vérité qui doit guider. Vérité ça contre nous jeune dans la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Ensuite, nous devons revêtir la cuirasse de justice. Et bien la justice de Dieu qui ça le fait nous, li protéger nous chers frères et sœurs. La justice de Dieu li protéger nous chers frères et sœurs. Et bien cuirasse ça qui quand on mettel ou mettel non ou mettez-le dans poitrine, chers frères et sœurs. OK? Eh bien, chers frères et sœurs, ça qui remplace la cuirasse, je veux dire, c'est ça, nous, elle est un gilet par balle. Eh bien, dans longtemps, c'est cuirasse que nous avons mis. Il était fait en fer, mais c'est ça qui te permet que les gens tirent une épée sur le monde ça, pour épée à ne pas transpercer. Eh bien, Paul lui demande pour nous gagner la justice comme cuirasse. C'est justice qui va protéger nous. Donc, l'important, et justice, ça, c'est la justice de Dieu. C'est l'amour de Jésus. Pas oublier que Jésus, il justifie nous. Eh bien, son cuirasse qui protège nous, chers frères et sœurs. En nous continuer, qui ça dit nous pour nous gagner des chaussures, un bouclier, un casque avec une épée? Eh bien, là, nous garder nous, ouais, chaussures qui doivent à nos pieds, c'est une chaussure de zèle. Ça veut dire, faut nous zéler. Ça veut dire que pieds, nous, les gagner visite qui pourra le faire, faut bien nous tout prêt pour la faire visite. Les gagner feuille qui pourra le bail, faut bien nous tout prêt pour la bail et pour la bail feuille. Les gagner aux frères nous on sœur nous qui malade, faut nous tout prêt pour la visiter. C'est ça qui gagner les chaussures. La chaussure, les chaussures et qui n'en pied nous c'est le zèle l'idoyer. Et bien nous ouais que nous doit gagner un bouclier de la foi. La foi, chers frères et sœurs, c'est un bouclier lié. Bouclier à son bail ou qu'il est dans main, ok, qui permet tout parer coup. Eh bien, chers frères et sœurs, si vous avez un bouclier la foi dans main, vous avez des coups qui arrivent sous, vous n'avez pas parer ou non? Eh bien, vous avez besoin de bouclier la foi. Ok? Et on dit nous, c'est ça qui permet nous, capable d'éteindre toutes les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, n'importe quoi, bouclier et vous faites sous nous, malin en fait sous nous, n'avez pas capable de parer avec bouclier. Ensuite, il dit, prenez aussi le casque du salut. Pas oublier que salut a son bagage que ou a visionné, son bagage qui est lié dans tête ou casque là ou mettez dans tête ou. Et bien le salut c'est vers lui-même que ou a marché. Et bien faut gagner casque salut dans tête ou. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit ça veut dire que épée c'est avec que pour faire qui ça. Épée c'est avec pour trancher l'ennemi. Épée c'est avec pour étrancher les cœurs les plus durs. Et bien, cette épée, c'est la parole de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu pour convaincre. C'est à travers la parole de Dieu pour éduquer. C'est à travers la parole de Dieu pour permettre que le monde capable d'entrer au bercail. Ça veut dire son épée que lié. Épée ça, utilisez le chers frères et sœurs. Épée ça, chaque lèvre que, ou à prêcher l'évangile, c'est à travers la parole de Dieu. Pas dit l'autre bagaille. Déjà, on doit gagner la vérité pour ceinture. Et bien, épée ça, son épée. Utilisez-le, par paix parler pour Christ, par paix prêcher l'évangile parce que et récompense ou ab grand dans ciel là. Et bien nous voyons que de Éphésiens 6 à de 14 à 17, yo ba nous toutes les armes que nous-mêmes nous devons utiliser. Yo dit nous Paul invite croyant yo pour yo prêt pour yo entrer dans combat, pour yo faire sa soldat yo te kon fait dans tant longtemps, pour yo prier. Éphésiens 18 Éphésiens 6, verset 18 à 20.
Les 9 verset 18, ça dit, faites en tout par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Chers frères et sœurs, vous gagnez tout armement ça au sou. Vous gagnez la vérité pour ceinture, vous gagnez la justice comme cuirasse, vous gagnez à chaussure dans pied ou le zèle, vous gagnez bouclier de la foi, vous gagnez le casque du salut, vous gagnez l'épée de l'esprit. Mes chers frères et sœurs, sou pa priye. Même sou gagne tout bagay sa yo. Sou pa priye, la difficile lui. C'est-à-dire ça aussi des éléments qu'on gagne men. Mais éléments sa yo, c'est comme si te ka di que et l'huile pour mettre là-dedans yo qui pour faire au marché, c'est la prière. Tout bagay sa yo à la disposition. Mais faut qu'on prie. Et ça fait dans verset 18 là, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Supplications pour qu'ils soient suppliés, bon Dieu. Des fois c'est leur demander on sait de bagaille ou besoin ou demander bon Dieu yo. Et ou fait ou supplier bon Dieu, prière. C'est dit que leur demander bon Dieu yon bagaille ou prier, ou demander bon Dieu pour capable remporter la victoire, prier, ou pral parler avec ou moun, ou vle moun sa li même li toucher, ou prier bon Dieu. Eh bien, avant nous attaquer, nous supposons prier, chers frères et sœurs. Et ça tout, lui gagne une autre signification. Pour qui ça? C'est parce que longtemps, les qu'on gagne bataille dans l'Ancien Testament et te mettre que Israélite te mettre gain gros l'armée. Yo gagne toute artillerie, c'est-à-dire yo gagne toute épée, yo toute casse, toute cuirasse, yo toute bouclier, yo. Mais nous voyons que c'est bon Dieu qui est toujours à l'avant dans les combats. C'est ça que fait dans Deutéronome 20, verset 2 à 4. Nous avons joué un côté que bon Dieu lui-même était by l'ordre. On nous lit Deutéronome 20, verset 2 à 4. Qui ça le dit? Verset 2 dit, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point, soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel notre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, même si nous gagnons toutes les armes du salut, nous toutes armes que nous sommes citées là, yo, mes chers frères et sœurs, toujours connaissez que c'est l'Éternel qui a combattu pour vous. Toujours connaît que ou même de par ou même ou pas qu'a fait rien. C'est ça oui, Jésus-Christ fait pour nous. Ça veut dire que nous gagnons toutes les ingrédients, tout accessoire pour nous capable combattre. Mais combat ça c'est pas combat pour lier, c'est combat à l'Éternel. C'est ça que fait nous ouais que et dans Deutéronome nous sortit ça dans Deutéronome 20 verset 2 à 4, même les Israélites ont été préparés au combat. Nous voyons que c'est sacrificateur qui est pour avancer, c'est prière qui est pour faire, c'est bon Dieu qui doit devant parce que c'est bon Dieu qui peut le mettre négatif. C'est comme ça qu'on battait toujours fait dans le temps des Israélites. Si nous voulons lire l'autre texte toujours, nous avons joué dans pile l'autre texte sur nous là. Nous avons Juge 7, verset 15 à 18. Nous avons 2 Chroniques 20, verset 13 à 20. Nous avons 2 Chroniques 32, verset 6 à 8. Et ben nous Néhémie 4 verset 14 verset 19 et verset 20. Ça montre nous que idée succès Israël n'est pas jamais dépend de supériorité de âmes que yo gagné ou bien que si l'âme a été plus que yo ou bien si yo était bien entraîné, pas que bagaille comme ça. C'est ça que fait chers frères et sœurs ou en question spirituelle, yo toujours dit comme ça moun qui saute en haut prend plus gros saut. Ça veut dire des fois l'on pense au plus préparé et eh bien c'est laisse ça pour prendre genou. L'on pense que ou plus capable résister à péché, c'est laisse ça pour prendre genou parce que les pour tomber à pas ni quoi son petit bagaille, son petit roche tout petit capté ko pour tomber. Mais si ou toujours prend genou malgré ou militer ou pas arrêter sous force ou sous capacité ou prend genou ou toujours remporter la victoire. Mais c'est ça que veut dire nous là. Nous voyons que les Paul li fin dit nous tout élément pour nous prendre, tout ça pour nous revertir nous de âmes, mais il dit nous faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire que la prière li c'est clé. Ça veut dire que toutes âmes ça on gagne, mais si nous pas utiliser la prière on peut tab tirer. C'est ça le dit.
Ça veut dire nous pas quoi dans capacité ou pas quoi dans combien temps gain ou adventiste pas quoi dans ou sorti nos familles toute femme ou adventiste pas quoi dans des pupitres ou l'église chers frères et sœurs mais quoi dans utiliser la prière en tout temps parce que c'est lui-même qui c'est clé de la délivrance, c'est clé de combat ça qui c'est un combat spirituel, un combat que qui pas contre la chair et le sang, mais qui contre les principautés, les forces de ténèbres, chers frères et sœurs, les autorités et de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Eh bien, chers frères et sœurs, nous c'est comme ça nous présentons le soir matin qui tient pour titre discours guerrier. Ok, et yo pose une question pour finir. Yo dit que devrions-nous apprendre de l'avertissement de Paul selon lequel nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des ennemis surnaturels, sur là où se trouve notre seul espoir de victoire. Chers frères et sœurs, seul espoir de victoire, nous c'est sous Jésus. Jésus qui déjà gagné bataille pour nous à la croix. Eh bien, c'est ça qui fait que nous pas gagné pour nous et pour nous axer nous sous capacité nous. Chers frères et sœurs, ou pas rien. C'est grâce, mon Dieu, faire. Soit militer dans l'évangile ou pas tomber dans ces deux bagailles qui l'aident, qui sale. C'est parce que le sang de Jésus lave. Et mais c'est ça qui fait que vous supposez reposer sur la prière. Parce que c'est la prière seule qui va permettre de remporter la victoire. Chers frères et sœurs, pas dire où qu'on est, pas dire où fort, pas mettre dans tentation. Ou qu'on est que tel bagaille pas bon, pas le mettre tout près. Pas le mettre tout près tentation. Hein. Mais priez bon Dieu et éloignez-vous du mal, chers frères et sœurs. Et bien, c'est comme ça que nous présentons le son matin qui est pour titre discours guerrier. Nous évitons de baisser tête pour nous prier. Éternel Dieu, Papa, nous qui nous sommes là, merci parce que nous avons des armes. Des armes, Seigneur Dieu, pour nous capables de lutter. Lutter, Seigneur Dieu, dans ce combat. Un combat qui est un combat purement spirituel, Seigneur. Un combat côté que l'ennemi de nos âmes, il t'a même mettre de nous à tête, chers frères et sœurs. Mais nous avons des armes pour nous capables de lutter. Mais Seigneur Dieu, zam sa yo, yo pa marcher sans la prière. La prière c'est pile que nous devons mettre dans zam sa yo. La prière c'est batterie, nous devons mettre dans zam sa yo. La prière Seigneur Dieu, c'est cartouche pour nous mettre dans zam sa yo. Et bien Seigneur Dieu, permette que nous capables des enfants de prière de manière à ce que Seigneur Dieu nous capables remporter la victoire. C'est pas bon nous bon, c'est pas digne nous digne, mais si nous prions c'est dans notre petit tout Jésus qui vit qui règne siècle et siècle. Amen. Merci et merci encore une fois, chers frères et sœurs. C'était Fort Ismaël Chéri. Que bon Dieu bénisse.